14 mai 1916. On envoya Freddy à la Somme, tandis que le régiment des Mille établit son camp près d'un petit village perché au sommet d'une colline. Le village se nommait Vauquois. Ici, le conflit s'était étendu sous la surface. Terrés dans leurs tranchées, les deux camps creusaient galeries et souterrains. La guerre des mines avait commencé. Je vais retrouver le gobelin. Alors oui, j'ai dit gobelin. Je voulais dire gobelin. Mais... Allez, go. But du Vauquois. Qu'est-ce qu'il y a donc Vauquois ou la guerre des mines. Je vous laisse lire. Faites pause et vous faites vos trucs. Ici, rien. Bon, j'ai loupé pas mal des notes de chacun des protagonistes du jeu. Mec, il est sous la terre. Il est... Ah non, il est là. Tiens, les chiens, vas-y. Donne ça à papa, on sait jamais. Et viens ici, tête de cul. Oh, dis donc. Merci, White. Dire qu'il y a encore tout un tas de bombes comme ça planquées sous terre. Un camoufleur. Je sais que pas loin de chez moi on a retrouvé des bombes comme ça. Ils faisaient des travaux et j'en ai retrouvé plusieurs. Donc un coup de pelle sur de la dynamite, c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai. Ok. Ah, pour monter à l'échelle. Oh. Monte par-dessus, face de cul. Pas la peine. Ok, j'ai compris. Pousse. C'est comme mon fou, hein. Il y avait du monde. Hein. Pourquoi ils sont pas allés l'aider? Désolé, chien. Ouais, bah salut. Oh, tiens. Je peux pas mettre ça? Tiens, merde, le chien. Merci. Ah, tu peux pas y aller. Ok. Comment je peux t'envoyer ici, toi? Ah! Tiens, voilà. Oh, carré. Non, un peu loin. Oh, le chien, je suis désolé, je t'aimais bien. La vallée. Ok. Et là, il y a un truc à faire péter. Je vais voir si je peux. Peut-être au-dessus de la tête. Je prends ça au cas où. Ah, il est là, le toutou. Comment t'as fait, connard?
Tac, et je laisse un bâton à la place. Et kiff kiff bourrico. Ça. Il y a un chien. On va faire péter tout ça. Terminé. Okay. Ah bah pourtant l'oiseau est vivant, non? Tout à fait. Alors j'ai appris récemment que les mineurs descendaient avec des oiseaux. Pour vérifier l'oxygène en fait. Si l'oiseau mourait, c'est qu'il n'y avait pas assez d'oxygène. Et voilà. C'est tout. Moi je passe mon temps à libérer des Allemands. Mais... Tiens le chien. Encore un qui lui a pas attaqué la cheville. How are you? Oh, thank you. Il est doué, il a acheté son arbre comme ça. T'es intelligent, toi. Tu veux que je le fasse? Non. Ah bah, je vais faire le reste. Alors, tiens, occupe-toi de ça. Tac. Allez, salut, cacahuète. Oh, ça se fait pas. On sait jamais. Peut-être qu'il pourra m'aider, ce con. Ouais, si tu savais. Quoi? Ah, il faut que je pousse. Oh. Ouais, ouais, c'est la France, mon gars. Tu l'aimes pas, tu la quittes. Allez, ciao. Salut, cacahuète. Oh oh. Cacahuète? Merci, cacahuète. J'y vais, cacahuète. Ici, hein. Pèle les rouleaux, toi. Hein. Il flotte en plus. Faut que je remonte? Faut que je redescende. Et il faut que je trouve des outils. Putain, mais je sais pas c'est qui a fait les fondations dans ce jeu. Et il faut que je creuse. Oh, mais c'est aller au-dessus en plus. Le chien, c'est toi qui y vas. La dernière fois, c'est moi qui suis allé. Y'a pas un souci là? Je descends. Oh. Coucou, cacahuète. What? Mais... Il y a un truc que j'ai raté, là. Non. Thank you.
hein. Oh, bien. Comme quoi. Coucou les amis. Toi tu m'as fait 3 petits points donc tu veux quelque chose peut-être. Un chariot. Ouais. Là, ici. Tu peux aller par là peut-être. Eh bien sûr que non. Tandis qu'à la base c'est un chien de l'armée allemande, ils doivent pas se soucier de grand chose. Mais ils se disent pas, c'est bizarre, pourquoi le chien il est là. Eh bien patate. Moutarde, pardon. Tu passes pas peut-être, c'est ça. Oh, il va te faire foutre. Pas vrai, c'est chiant. Ça fait peur, toi, avec ton couteau. C'est qui me suit, en plus. Et hop, là. Oh, tiens, il y a quelque chose. Putain, il y a eu un flash dans ma chambre, j'ai flippé. Profite de cette longue tirade pour vous expliquer que tous les let's play commencés seront terminés, qu'il y ait des vues ou pas. Je m'engage à les terminer pour le peu qu'ils les regardent à l'heure actuelle. C'est un principe. Et ça me ferait chier de les commencer et de les abandonner. Oh, qu'est-ce qui se passe? De rien, mon cousin. Voilà. C'est pas du nougat, ça. Ah, c'est vraiment des guirlandes. Tu m'étonnes que la France ressemble plus à ce qu'elle était. Les officiers français se glorifièrent des lourdes pertes infligées à l'ennemi. Émile, le cœur rempli d'amertume, refusa d'être décoré pour ce qu'il considérait être un acte de lâcheté. En revanche, Émile et Freddy étaient fiers d'avoir arraché le père d'Anna des griffes du baron von Dorf. Ses recherches ne pourraient plus servir à construire des armes de guerre. Les bonnes nouvelles étant rares, chacun savourait ce précieux moment. Mais les nouvelles qu'apportait Anna n'étaient pas bonnes. Carl avait été tué en cherchant à s'échapper du camp de prisonniers. Non. Merde. Apprenant sa mort, Émile tomba gravement malade. Ils ont dû le fuir.